Madame, Monsieur, bonjour à tous, bienvenue sur NBSN News, le magazine de l'actualité du collège Nicolas Barry-Salmoir de Pau. Je suis Fouad Bagi. Je suis Anissa Aki. Et tout de suite, ce sont les titres de cette première édition avec Léa Bédani. Au sommaire de cette première édition, retour sur la rentrée scolaire, des nouveautés, des changements. On vous dit tout dans quelques instants. Ce sera notre premier reportage. Et puis après, la rentrée scolaire. C'était la journée d'intégration. Retour en image sur ce moment fort du collège avec nos envoyés spéciaux, sur place, Ajar, Pierre-Luc et Nassardine. Fin septembre, c'était l'élection très attendue des délégués de classe. Shaïnès, Anissa et Leïa se sont immergés en classe de 6e pour suivre cette élection. Brooklyn Village, c'était la sortie cinéma pour les élèves de 3e 1. Ce qu'ils en ont pensé ? Leur critique du film en anglais. Ce sera le moment So British en fin d'émission. Une actualité riche pour ce premier numéro de NBSN News, comme le temps passe vite. Retour donc sur ce que vous avez peut-être manqué ou pas encore remarqué depuis la rentrée scolaire, les changements et les nouveautés, un reportage de Manon, Mariana et Garance. Devant le numéro de classe, vous voyez. Le 1er septembre dernier, c'était la rentrée scolaire pour les 300 élèves du collège. Les 6e sont rentrés un jour plus tôt que les autres élèves pour découvrir le collège tranquillement. Après avoir été appelés par le directeur et accueillis par leur professeur principal, ils sont partis découvrir leurs nouveaux camarades et leur classe. Une visite de l'établissement a été organisée avec leurs parents. Le lendemain, les autres élèves sont rentrés à leur tour. Cette année, en plus de nouveaux visages d'élèves, de professeurs et de surveillants qui viennent d'arriver au collège, il y a quelques changements et nouveautés. Le préau est terminé, il recouvre une partie de l'ancienne cour et permet aux élèves d'être à l'abri les jours de mauvais temps ou de forte chaleur. Prochainement seront installés les derniers équipements sportifs pour les cours d'EPS. Sur le côté, les élèves ont accès à des sanitaires tout neufs. Le parking devant le bâtiment du collège a été entièrement refait pendant l'été et pour y accéder, un nouveau portail a été créé dans le mur d'enceinte. Il est réservé au personnel de l'école et du collège, ce qui a permis de sécuriser l'accès piéton des élèves pour l'entrée principale. Le collège a ouvert une filière numérique. Il y avait déjà des tablettes utilisées par certains professeurs et le site internet de la classe améliorée pour réussir en classe et à la maison. Il y a maintenant la classe de 6e 1 avec l'option numérique. Nous avons demandé à Safa de nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que tu fais en section numérique ? On programme des jeux et des personnages, par exemple Pac-Man. Il faut le programmer pour que soit mis en place et pour qu'on puisse jouer avec. Qu'est-ce que tu fais en section numérique ? On crée des jeux sur le programme Scratch et on joue à Pac-Man. Enfin, on programme Pac-Man. Ok. Sur quel projet travailles-tu en ce moment ? Sur Pac-Man et on va faire d'autres jeux à programmer durant toute l'année. C'est donc cela! Les élèves apprennent le langage informatique et à programmer. Pour débuter, les élèves conçoivent des petits jeux à l'aide du logiciel Scratch et au fil de leur scolarité au collège, les projets vont devenir plus importants. Les cours sont assurés en demi-groupe par M. Hens et M. Bach en salle informatique et au laboratoire de technologie. Enfin, il y aura à chaque fin de trimestre cette année un tableau d'honneur par classe pour récompenser les élèves méritants. Mais attention, il n'y a pas que les résultats scolaires qui comptent. Pour déterminer le classement, le conseil de classe comptabilise avec la vie scolaire les points restants sur le permis à points pour le comportement et le travail ainsi que l'entraide et l'investissement dans le collège. Une année placée donc sous le signe du changement et de la nouveauté. Comme vous avez pu l'entendre, Garance est très contente d'avoir fait sa rentrée et surtout de toutes ses nouveautés. Et pour être complet sur ce sujet, retrouvez la liste de tous les élèves inscrits au tableau d'honneur pour le premier trimestre sur les panneaux d'affichage des couloirs et sur notre site internet saintmaur-pau.com. Et justement, passé la rentrée scolaire, ce qui n'est plus une nouveauté, c'est la fameuse journée d'intégration, où tous les élèves quittent le collège pendant une journée pour vivre des moments de complicité et d'échange entre eux et leurs professeurs. Nos envoyés spéciaux ont suivi pour vous cette journée organisée en Vallée d'Ossau. Un reportage signé Ajar, Baptiste, Nassardine et Fouad. Ah,
Le jeudi 8 septembre 2016, toutes les classes du collège sont allées au plateau du Bénou, dans la vallée de Sceaux, pour une journée d'intégration. Cette journée est organisée dans le but de réunir tous les élèves afin qu'ils fassent connaissance entre eux et que les nouveaux élèves s'intègrent avec les anciens. Elle permet aussi aux professeurs d'apprendre à connaître les élèves de leur classe. Cette journée à la montagne, au plateau du Bénou. Au programme de la journée, il y a eu plusieurs temps forts, randonnée, pique-nique et jeux. Ça a un rapport avec l'Écosse. C'est le symbole de l'Écosse qu'on va voir dans les livres britanniques. Chaque classe a fait une randonnée avec son professeur principal et un autre adulte de l'établissement. C'est l'occasion de mieux se connaître. Pour les élèves, c'est aussi à apprendre et gérer ses efforts pour atteindre l'objectif défini ensemble. Le niveau de difficulté est adapté. Chaque classe n'a donc pas fait la même randonnée. Sur le chemin, les élèves ont fait des rencontres inattendues et découvert de magnifiques paysages. Les troisièmes ont découvert les Komleks de la préhistoire. La vallée de Sceaux sera étudiée dans l'année en géographie. Beaucoup d'élèves ont découvert la montagne et la randonnée pour la première fois. On descend. Et surtout, on est ici pour s'amuser, pour faire une belle sortie scolaire et pour bien profiter de cette journée. Profiter du paysage, de la vallée, voilà, de la nature, quoi. Regardez, mesdames et messieurs, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. La nature. Regardez là-bas, vous avez encore de la nature. Regardez, on a des montagnes qui touchent le niveau des nuages. Mais nous-mêmes, on est en très grande altitude. Comment trouves-tu ce paysage ? Alors, c'est un paysage très grand et très beau. On est très haut et on a une très belle vue. Après la randonnée, les élèves ont partagé un pique-nique bien mérité pour récupérer de leurs efforts et prendre des forces pour la suite. Bonjour Julie ! Allez vite ! Repart ! L'après-midi, les élèves ont fait des jeux. Les élèves de toutes les classes étaient mélangés pour constituer des équipes. Chaque équipe participe à 4 jeux. Jeu du béret, jeu de tir à la corde, jeu de mime, jeu de vitesse en relais. 2 fois 3. 6. Cette journée s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Une fois qu'on se connaît un peu mieux, ça doit mieux fonctionner dans la classe. Et pour que ça fonctionne mieux, les délégués de classe ont un rôle important à jouer. Cher Fred. Mais au fait, c'est quoi un délégué de classe ? Quelques éléments de réponse avec Shaynes, Léa et Anissa et les élèves de 6e. Fin septembre, s'est déroulée l'élection des délégués dans toutes les classes du collège. Mais au fait, qu'est-ce qu'un délégué de classe et à quoi sert-il ? Pour le savoir, nous avons posé la question dans la cour. Ça sert à pas faire bêtises et ça sert à contrôler la classe. Attendez, je réfléchis. Ça va réfléchir. Il doit montrer l'exemple. Il est représentant de la classe. Comme ce n'est pas très clair pour tout le monde, il est important de rappeler que le délégué, ce n'est pas le chef de la classe. C'est un élève responsable qui rend compte à la classe des réunions auxquelles il assiste. Il participe notamment au conseil de classe qu'il a préparé avec les autres élèves et le professeur principal. Il doit défendre l'avis majoritaire et non exprimer son opinion personnelle. Il est en quelque sorte le porte-parole de la classe et transmet ainsi les informations entre les adultes et les autres élèves. Il peut faire part des problèmes de la classe au professeur principal et à la vie scolaire et trouver avec eux des solutions. Pour résumer, être délégué de classe, c'est donc une sacrée responsabilité. Notre équipe a suivi le déroulement des classes en classe de 6e, où la plupart des élèves découvraient cette fonction au collège.
Après l'explication du rôle des délégués de classe par le professeur principal, les élèves ont eu quelques jours pour se décider et se préparer un peu comme pour une élection présidentielle. Car l'élection des délégués, c'est une véritable élection où les candidats essaient de convaincre leurs camarades de voter pour eux. Pour se faire connaître, ils ont donc ensuite des affiches, écrit leur programme et trouvé un slogan percutant. Pour ces futurs citoyens, le plus difficile a été certainement de prononcer un discours devant la classe pour convaincre leurs camarades de voter pour eux. Je veux me présenter car j'aimerais apporter du soutien aux élèves de 6e fois. Je veux vivre une nouvelle aventure avec vous. Je donnerai des opinions, tout comme vous pourrez m'en donner si je suis élue. Je ne vais pas donner d'ordre car je n'aime pas en recevoir. Un problème, vous me demanderez et je ferai du mieux pour le résoudre. Et je ne ferai aucune différence entre les garçons et les filles. Votez Maël pour une vie plus belle. Et puis vient l'heure du vote. Les élèves glissent leur butin secret dans l'urne. Des élèves non candidats dépouillent et comptabilisent ensuite les voix obtenues par chaque candidat et les inscrivent au tableau. Si en 6e 1, Ayrton et Ayoub ont été élus dès le premier tour, il aura fallu un second tour en 6e 3 pour élire Cyrine et Manon. Pour tous ces élèves, l'élection des délégués de classe aura été un exercice d'apprentissage de la démocratie. Retrouvez la liste de tous les délégués de toutes les classes à la vie scolaire. Il y a quelques jours, les élèves de 3e 1 sont allés au cinéma de Méliès avec leur professeur d'anglais pour assister à la projection du film Brooklyn Village, réalisé par Ira Sage, un film remarqué notamment au Festival de Tokyo. Qu'en ont pensé les élèves? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? C'est le moment sur Butchish de ce magazine. La critique cinématographique des élèves en anglais, of course, it's now! On the 6th of October, we went to the Méliès in the morning with Mr. Batista. We walked 10 minutes to go watch the movie Brooklyn Village. The story of the movie is complicated. It's the story of the child who moved with his parents to Brooklyn in the old house of his grandfather because he died. And he meet a boy. The boy's name is Tony. He loves going to the theater classes. Tony and Jack become good friends. Jack's parents ask Tony's mother to move out because she can't pay the rent. Because of their parents, the two boys don't see each other anymore. In the end, it's a sad story. Now I'm going to talk about the action and the character. Jennifer Ice plays Cathy Dardine. She's the mother of Jake Dardine, played by Theo Taplitz. His father is Brian Dardine, played by Greg Kinnear. Michael Barbieri plays Tony Calvelli, who is son of Leonor Calvelli, played by Paulina Garcia. Tony Calvelli and Jake Dardine are best friends. The relationships between Cathy and Brian Dardine with Leonor Calvelli is not good because they will have a lot of problems. The rent for the shop, for example, our opinion is that the actors are good. They play really well in this movie. Talking about the image, the movie is very beautiful, but we think that we do not see enough image of Brooklyn in New York City. The image is not wide enough. We would have liked to see more image of New York City during the removal. We have enjoyed the movie because it is very interesting and he looks like the reality. The movie is very sad. We have hated the parents in this movie. The kids are more mature than their parents. The movie does not end well, but will not tell you the end of the movie. Oui, savoir parler l'anglais, c'est important. L'anglais, il nous sera encore question dans l'agenda. Qu'est-ce qu'attend les élèves prochainement? Quels seront leurs futurs événements du collège? C'est maintenant et c'est loin de la vie qui vous dit tout. Voici quelques dates à noter sur votre agenda sur les événements prochainement organisés dans le collège. Tout d'abord, il y aura la journée des portes ouvertes du collège qui se déroulera le samedi 21 janvier dans la matinée. Ce sera l'occasion de venir découvrir le collège pour les nouvelles familles qui souhaitent s'inscrire à la rentrée 2017. Les professeurs présenteront des activités faites dans leur matière, comme le numérique par exemple. Il y aura des ateliers animés dans les labos de sciences et de techniques. Bien sûr, il y aura une visite guidée avec les élèves. Venez nombreux! Autre événement, à partir du 26 janvier, le lancement de l'opération du mois de l'avenir, un mois pour faire son choix.
Pour les élèves de 3e, il faut déjà penser à l'année prochaine et à son avenir. Pendant un mois donc, visite de lycée, stage de découverte professionnelle, formuler ses premiers choix d'orientation. Et puis il y aura, dans le collège, le vendredi 3 février, un forum des métiers organisé l'après-midi par les élèves de 3e 2 et de 3e 4, dans le cadre de leur EPI de découverte du monde économique. Des professionnels viendront présenter leurs métiers, il y aura des conférences comme par exemple sur les métiers de l'aéronautique, de la défense nationale, bref, tout pour choisir et éclairer sa voie. Enfin, depuis maintenant 5 ans, notre collège participe à un échange scolaire avec l'Académie Lafayette située à Kansas City aux États-Unis. Une année, ce sont les élèves de notre collège qui font le voyage en Amérique, et l'année suivante, c'est nous qui les accueillons, ce qui est le cas de cette année. Donc, une douzaine de jeunes Américains viendront 10 jours à Pau du 23 mai au 2 juin. Les élèves qui souhaitent accueillir et héberger chez eux un collégien du Kansas peuvent se faire connaître auprès de leur professeur d'anglais. Il reste encore quelques places pour le voyage de l'année prochaine. Là aussi, rapprochez-vous du professeur d'anglais pour plus d'informations. Les échanges linguistiques permettent de découvrir la culture de l'autre et surtout de parler et de s'améliorer en anglais. Voilà, c'est tout pour l'agenda des semaines à venir. Retrouvez toutes les dates et les infos de l'agenda sur notre site internet samor-po.com. Anissa et Fouette, c'est à vous, je vous rends l'antenne. Des événements qui seront abordés et développés dans notre prochaine édition, édition qui sera préparée la prochaine fois par les élèves de 3e 2. Voilà, c'est terminé pour ce premier numéro de LBSL News et merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver ce magazine en streaming sur le site du collège et de la classe améliorée. N'hésitez pas également à la podcaster et à la partager sur les réseaux sociaux. Nous remercions toutes les équipes techniques de la classe de 3e 1 qui ont préparé et réalisé ce magazine. Merci à nos professeurs pour leur aide, ainsi qu'à Laura et à Béatrice de 3e 2 qui ont conçu le logo de NBSM News et qui ont gagné le concours organisé en art plastique. Au revoir et à bientôt. Et restez à l'écoute du NBSM News.